Bienvenue chez Atto. Mon nom est Rotili. Aujourd'hui, je vais vous montrer le matage avec notre brosse à mater Maximat Pro. Avant de vous montrer l'application pratique, nous examinons le Maximat Pro plus précisément. Nous commençons par la construction interne bien sophistiquée de notre brosse à mater avec une technologie brevetée. La brosse Maximat Pro peut être ouverte en appuyant fermement sur le verrou interne de la brosse. La conception du doigtier comme une roue à aube permet une oscillation contrôlée des fils. Nous voyons maintenant les broches métalliques très solides qui tiennent les fils courbés. Maximat Pro peut être rechargé avec des différents fils courbés. Afin de fabriquer des créations de surface individuelles, les broches métalliques peuvent être équipées avec des différentes épaisseurs de fils. Une autre particularité est les fils courbés. Les fils combattent à longue droite sur la pièce à mater. Ceci évite des rayures sur la pièce. En outre, cette fonction, aussi que la conception du boîtier comme une roue à aube, empêche les fils à se briser. Grâce à la conception spéciale, les fils de Maximat Pro sont toujours interchangeables. En regardant le couvercle du noyau, nous pouvons constater la technique unique du mécanisme de verrouillage avec les travers très fines pour tenir le cul de cochon. Avec un déclic, la brosse se ferme et elle est prête à travailler correctement. Maintenant, nous plaçons la brosse à mater sur le cul de cochon du moteur à polir. Pour vous montrer le matage, nous avons choisi un ras de cou en argent sterling. Nous approchons doucement la pièce à mater vers la brosse Maximat Pro. Maximat Pro est utilisé avec une vitesse recommandée de 1400 tours par minute. La surface est matée uniformément sans rayures. Pour obtenir un matage plus léger, on peut utiliser des fils d'acier fin. Ainsi, les surfaces d'or très filigranes peuvent être matées facilement et rapidement. Les surfaces matées avec Maximat Pro montrent une structure homogène. La surface fait penser à un paysage volcanique très fin et il paraît que la lumière danse sur le collier. Atto fabrique la brosse Maximat Pro avec 4 différents fils diamètres 0,60, 0,45, 0,30 et 0,20. Pour faire la différence, les couleurs peuvent aider. Vert, jaune, rouge et bleu. C'est tout pour aujourd'hui. Pour des questions techniques, veuillez m'envoyer un mail sur rotili@atto.de. À la prochaine, Rotili.